On regarde tous Web TV Colomiers. Le 15 juin 2011, c'est un grand jour pour la ville de Colomiers, un grand jour pour la culture aussi, et puis un grand jour pour toutes les équipes qui, autour de moi, travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs années déjà pour ce projet. Vous savez que nous avons commencé les travaux en 2008, qu'ils ont été un petit peu retardés parce que la configuration de cette œuvre d'art due à Rudy Ricciotti avec les volutes des murs blancs en porte-à-faux n'était pas facile à réaliser. Il a fallu trouver l'entreprise adaptée qui était l'entreprise Cari. Et puis donc, depuis 3 ans, nous attendons tous ce grand et magnifique établissement qui est doté de 100 000 documents, qui est la deuxième médiathèque donc après celle de Cabanis en Midi-Pyrénées. Et nous l'avons doté aussi d'un centre d'art contemporain qui est la succession de l'Espace des Arts que nous avions créé ici en 1989 à Colomiers et qui était la première galerie municipale d'art contemporain à l'époque. Et c'est super pour l'ouverture de cette médiathèque que j'attendais depuis un moment. Voilà, et d'ailleurs c'est réussi, le petit se régale et on va pouvoir emprunter pas mal de livres, de bouquins. C'est vrai qu'on attend avec impatience l'ouverture de la médiathèque qui se fait aujourd'hui. C'est un cadre quand même assez chaleureux, assez convivial et surtout très moderne. Voilà, donc il y a beaucoup de lumière. On ne soupçonnait pas la lumière de l'extérieur. On a l'impression que c'était un petit peu trop renfermé, trop sombre et je suis agréablement surprise. Et puis j'aime bien ce côté blanc là, ce côté de clarté, ça me plaît bien. Et ce qui me plaît surtout, c'est en fait une médiathèque de proximité. Parce que j'ai l'habitude de fréquenter les bibliothèques et les médiathèques de Toulouse. Et là, en avoir une juste à côté de la maison, ça sera vraiment pratique. C'est super, je trouve grandiose, très bien éclairé. Beaucoup de culture, donc c'est à nous, les Colomérains, à venir et à s'intéresser à ce lieu qui est très bien, très très bien. La médiathèque, c'est un lieu agréable. Nous, on découvre la médiathèque, donc c'est vrai qu'on avait l'impression de l'extérieur que c'était assez petit, puis finalement à l'intérieur, on est épaté par la grandeur, l'espace, la luminosité qu'il y a, le nombre d'ouvrages, j'allais dire, entre les DVD qui n'existaient pas, les CD, le cumul de toutes les bibliothèques, c'est vrai qu'il y a un choix immense. Je pense qu'on va en avoir pour un moment et puis après l'arrêt, ça fait du bien de se replonger dans la lecture.